France Bleu. Pour les fêtes, les Chevaliers du Fiel s'installent à New York. Alors, Jean-Paul. Je suis content. Je vois. Et pour l'occasion, tu as bien repassé ton kawaii, c'est magnifique. Oui. Alors, oui, Jean-Paul. Je suis content. T'es content? Oui. Ouais, ça va? Pas de séquelles. C'est ça qui est bien. Enfin, pas de séquelles. Enfin, je rappelle que tu es né tout près de la centrale nucléaire de Golfech. Oui. T'as bien chargé. Pas de séquelles. Et je paye pas l'EDF. Et non, ils t'en doivent à toi. Hein, ils t'en doivent. Alors, Jean-Paul. On va parler chansons avec toi. Je suis content. T'es content. Nous aussi, on est content. C'est ça qui est bien pas, avec lui. Pas de séquelles tellement. Non, ma fille, si tu continues, tu vas en avoir. Alors, Jean-Paul, on va parler. Je sais faire le loup. Le loup, je sais faire. Oui, c'est très bête. On est content pour toi, mais c'est pas le propos non, de la soirée. Si à un moment, il y a besoin des loups, je sais le faire. Si à un moment, il y a besoin. Il a bien chargé quand même. Et alors, s'il y a besoin, je sais le faire. Le loup. C'est bien. Si on a besoin, c'est on le faire. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. D'accord? Avec les grandes oreilles, le loup. Oui, on a compris, Jean-Paul, on a compris, mais s'il y a besoin. Oh, c'est le loup. Voilà, c'est parfait, très bien. On se régale. Il est gentil, alors, le loup. On est gentil. Il est gentil. Il est gentil, le loup. Il est gentil. Alors, il ferme sa gueule. Alors, Jean-Paul. C'est le loup. Il est gentil. Il est gentil. Oui, il dit toujours où le loup. Il est là où. Il dit que où le loup. Où. Il dit jamais quand. Il dit que où. Alors après, nous, on y va, mais on ne sait pas à quelle heure il faut y aller. Parce qu'il dit pas quand. Ah oui, il a bien pris quand même. Hein, il a ramassé. On part de loin avec lui. Hein. Le loup. Allez, on va faire court parce que tu sais. Il est gentil. Il y a d'autres artistes. Calme-toi. Je y parle au loup. Je y parle tu à loup. Là, je lui demande comment il va, comment va sa famille. C'est bien parce que tout seul, tu t'emmerdes jamais, quoi. Oh, non. C'est parfait. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, Jean-Paul va parler choses. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ça, qu'est-ce que c'est? Avec les petites oreilles, les renards. Putain, mais on n'est pas couché, si on fait tout le zoo, là. Alors. J'y parle pas aux renards. Tu parles pas les loups. Moi non plus, j'y parle pas aux renards. Les renards. Tu fais peur quand tu parles alors, putain, mais les loups, c'est gentil, les loups, c'est gentil. Les renards. On va pas s'éterniser sur le renard, d'accord? Les loups. Mais non, ça va, on a compris. Les loups. L'hiver, ils font du ski de fond, l'hiver, les loups. Ils font du ski de fond. Les renards, ça les énerve parce qu'ils ne peuvent pas en faire, parce qu'ils ont la queue qui trempe dans la neige. T'aimerais pouvoir le faire, ça, toi, hein? Allez, il y en a. Jean-Paul. On va se calmer maintenant. Les loups, on a compris, ils s'en foutent, les loups, ils en font quand même du ski de fond. Ah bon, ils sont là, ils font du ski de fond. Les renards, ça les énerve. Vous voyez comme il est passionné, les renards. Ça les énerve, les renards. Ils veulent pas les voir. Alors, les loups, ils en font quand même. Il me fait peur. Les renards, quand ils les voient arriver avec les skis de fond, les renards, ils se tournent pour pas les voir. Les loups, ils font quand même des skis de fond. Ils arrivent, ils voient les renards tourner. Oui, calme-toi. Il est un peu obsédé parce qu'il est dans un centre enfermé toute la journée, il voit jamais de filles, alors évidemment. Il recule le cul. T'arrêtes un peu. Ouais, alors là, c'est vraiment un problème. Allez, viens là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? C'est la marmotte, ça. C'est la marmotte. Bon, très bien. Allez, parfait. Siffle. Allez, maintenant qu'on a visité tous les zoos de gauche. Il y a aussi des loumottes. Et on s'en fout. Ça n'existe pas, la loumotte. Mais si, la marmotte qui suce les loups. Bon, ça va, tu te calmes là. Tu arrêtes. Et ça, qu'est-ce que c'est comme ça? Oh, putain, non, je voulais avec pas... une grande et une petite comme ça de queue. Ah, les oreilles. Une grande et une petite. Le relou s'appelle. Ça n'existe pas, le relou. Mais si, le renard qui se fait enculer. Arrête maintenant, arrête. Non, on a du lourd, là. Il n'y a pas un éducateur. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Mais tu l'as fait, ça, c'est la marmotte. Mais non, un chinois qui campe. Oui, bon, allez, c'est bon, ça va, ça suffit. Allez, maintenant, Jean-Paul, on t'a invité, c'est toi un peu le parrain de cette soirée. C'est le ministère de la Culture, quand même, qui t'a désigné un petit peu, quelque part. Tu vas nous chanter ta chanson, ton grand tube. C'est toi qui ouvres cette soirée exceptionnelle à New York pour représenter la culture française. Donc, on t'écoute dans ton grand tube, la Sim Camille. Jean-Paul André, la Sim Camille. Allez, on y va, on met le paquet. On s'active. Allez, hop. C'est-à-dire, maintenant, je suis une vedette et j'ai pas trop envie de le faire. Non, que tu racontes, là. Attends, on avait répété, tu fais la Sim Camille, c'est tout. Tu te mets au centre. Ou alors, il faudrait que les gens le demandent fort. Il est cabotin, mais c'est pas...
Cabotin, allez, voilà, tu les entends, regarde, là, regarde. Voilà. Regarde. New York t'acclame. Là-bas, enfin, il y a deux cons du New Jersey, ils n'ont rien dit, là-bas. Les cherche pas, tu regardes. Il y en a devant aussi, voilà. Mais il y a tout le New Jersey qui est là, alors. Ouais. En fait, il n'y a que le New Jersey. Alors, Jean-Paul, tu vas nous chanter d'autres tubes, et après, tu te casses, d'accord? Oui, alors, maintenant qu'ils l'ont demandé fort, oui. Comme je suis une vedette, oui. Eh bien, je ne la chante pas. Qu'est-ce que tu me fais, Jean-Paul? La suite, Jean-Paul! Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast gratuit des Chevaliers du Fiel sur francebleu.fr.